Bon, avec la playlist Offroad Addict Volume 2, on a l'une des meilleures playlists du jeu, ça ne fait aucun doute en termes de tracé, surtout pour l'offroad. Et du coup, je vous propose de faire quelques épreuves avec ce magnifique véhicule qui est la récompense de la playlist. D'ailleurs, je découvre qu'on ne peut pas faire de peinture ou de pièces esthétiques, juste de la vanité. Ok, bon, bah, un peu décevant du coup. Bah, tant pis, on y va de suite avec le véhicule sans plus tarder. Regardez-moi cet écran de chargement magnifique. Allez, c'est parti pour cette deuxième course de la playlist. Parce que bah, la première, elle était normale, je crois. Bref, faisons celle-ci. Et ce que j'aime bien, du coup, c'est qu'on a enfin du bon off-road exploité. Regardez-moi ici par où on passe. Je trouve déjà le début de cette course magnifique. Mais c'est vrai que jusque-là, l'off-road était sous-exploité. Une seule playlist réellement, avec quelques autres courses off-road dans d'autres playlists. Mais c'est vrai que ça restait assez basique. Et là, on exploite beaucoup plus de courses avec celle-ci. D'ailleurs, allez, on peut passer dans la grotte, même si on peut l'esquiver. Regardez comment c'est stylé. C'est bien, mais cette playlist, elle nous fait découvrir des endroits auxquels on n'est jamais allé sur la map. Et ça, franchement, on se dit, bah, tiens, c'est nouveau ça. Non, en fait, c'est là depuis le début du jeu, mais on n'y est jamais allé. Donc franchement, c'est cool. On passe par des nouvelles routes qu'on n'a jamais exploitées. Et ça fait du bien parce que c'est ça l'ADN de The Crew, c'est d'utiliser bah, des choses tout terrain, d'utiliser tout type de véhicule et pas que de l'asphalte, pas que du street, pas que de l'hypercar. Donc clairement c'est une playlist qui fait du bien. Surtout qu'encore une fois bah, les tracés sont vraiment géniales. Du coup bah honnêtement pour moi c'est l'une des meilleures playlists sur ce point là parce que évidemment à la globalité on peut pas la considérer comme l'une des meilleures playlists du jeu parce qu'elle a pas de décor, de cinématique et tout ça comme oula c'est tout dur ça. Oh non ça fait le bug. Mais voilà, il n'y a pas tout ce truc autour de certaines playlists ultra stylées. Mais clairement, en termes de tracé, franchement, il y a peu de playlists qui sont aussi bien. Tiens, passons par là. Magnifique petite grotte. Donc clairement, ça fait du bien et c'est que du bonheur. Après, il n'y a pas que du positif non plus. Enfin, on va dire que si, la playlist est positive. Mais voilà, on exploite encore beaucoup le rallye raid sur cette playlist. Un peu de motocross aussi et une seule course de rallye malheureusement. Donc clairement, maintenant, oh putain. Clairement maintenant les devs vous savez ce qu'il reste à faire une playlist 100% rallye pour moi c'est ce qu'il faut faire avec des vraies courses de rallye et pas les utiliser comme des voitures de rallye raid hein, parce que je le dis souvent mais les quelques grands races par exemple qu'on a en rallye c'est du rallye raid avec des courses enfin avec des voitures de rallye donc c'est pas très fun et puis bah, sur le jeu en termes de playlist on a très peu de courses de rallye réellement on en a que 3 du coup avec cette nouvelle playlist au total donc voilà c'est vraiment pas fameux mais bon clairement cette deuxième épreuve de la playlist fait partie de mes préférées avec le début là sur les cascades d'eau c'est magnifique quand on passe dans les grottes aussi bref très bonne course. Non, on passe à la dernière course. Non, mais ces écrans de chargement sont quand même très jolis hein, pour cette nouvelle playlist. Mais dernière course du coup de la playlist. Avec cette fois bah, la seule course donc de rallye qui a été ajoutée. Mais franchement, qu'est-ce qu'elle est ouf. Regardez-moi tous ces virages. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même un petit défaut, même un gros défaut à cette course. C'est que ne cherchez pas à tryhard un record sur cette course. Ça ne sert à rien car les devs ont tellement mal placé les checkpoints que... C'est du full respawn, voilà, il n'y a pas besoin de freiner techniquement si vous le faites bien avec le système actuel, c'est full respawn, donc aucun intérêt de pilotage, aucun fun à tryhard le world record ou quoi. Par contre, bah, en termes de tracé, ça c'est du rallye avec bah, les courses comme ça, avec des épingles à faire et tout, franchement c'est stylé. Ça peut faire penser un petit peu d'ailleurs cette course à vers Yellowstone de The Crew 2 qui était clairement ma course de rallye préférée sur le jeu, clairement elle était magnifique. Et là le début ça peut faire penser un petit peu au virage en Esquia, même si là c'est un peu plus pentu, mais clairement c'est plutôt pas mal. Après il n'y a pas non plus 50 courses je pense à faire de rallye. Quoi qu'il arrive, il n'y aurait peut-être pas assez de routes, mais j'espère qu'ils vont en faire plus des vrais cours de rallye et surtout peut-être un jour avoir réellement du rallye cross comme TC2 avec bah, des petits circuits parce que c'est aussi ça l'ADN du rallye sur The Crew. Donc j'espère vraiment qu'on en aura. Après, bah, faudrait déjà qu'ils nous ajoutent des circuits de rallye, mais bon, j'ai espoir qu'on nous ajoute tout ça un de ces jours.
Mais franchement, quel kiff ce tracé. Bon, là, on conduit pas très bien. Mais bon, voilà, c'est vraiment triste par contre bah, que les checkpoints soient super mal placés, que du coup ce soit full respawn. C'est vrai que c'est assez bizarre sur le jeu, c'est que on a l'impression qu'ils n'ont pas forcément retenu les devs la leçon de TC2 par rapport aux checkpoints, parce qu'il y a certaines courses, des fois les checkpoints sont super bien placés, mais il y en a beaucoup quand même sur le jeu de base là où les checkpoints sont super mal placés, il y a beaucoup de respawn de ce genre. Alors que sur The Crew 2, avec je ne sais plus quel tryhard qui avait en gros fait le travail pour les devs à dire où il fallait replacer les checkpoints, et bah de plusieurs courses ils avaient refait tous les checkpoints et tout pour que ce soit parfait, qu'il n'y ait plus ces cuts de merde et tout. Et au final sur The Crew Motorfest on se retrouve encore une fois de plus avec ces cuts de merde qui gâchent complètement l'expérience de jeu. Donc voilà, c'est dommage. Mais regardez comment c'est joli là ici dans la jungle. Enfin, franchement c'est magnifique cet endroit. J'adore, j'adore. Non, clairement, c'est validé. Et il y en a qui osaient dire que c'était de la merde d'avoir... j'avais déjà vu des coms passer comme ça, de la merde d'avoir une place off-road, ouais, ça nous intéresse pas et tout, mais franchement, ne jouez pas à The Crew si c'est pour dire ça. C'est littéralement les meilleures idées qu'il y a d'ajouter ce genre de playlist. Si vous voulez que du street ou de l'hypercar, allez sur Forza ou allez sur d'autres jeux, mais pas sur The Crew. Nous, ce qu'on veut, c'est de la diversité, et c'est déjà à cause de ces joueurs-là qui se plaignent qu'il y a de la diversité, bah que finalement on a perdu la diversité sur The Crew Motorfest un petit peu. Donc voilà, clairement c'est une bonne chose, et contrairement à certains ce qu'ils peuvent dire, c'est ce genre de choses qu'on veut les développeurs. Donc ajoutez-nous plus de variété dans les disciplines, avec plus de playlists de ce genre, et clairement je pense que la plupart des gens en tout cas seront contents. En tout cas n'hésitez pas quand même à me dire bah, vous en commentaire ce que vous pensez de cette playlist. Après hein, libre à chacun de penser ce qu'il veut, mais bon, dommage si vous aimez pas ce genre de playlist pour vous, c'est que vous n'avez pas compris quand même l'intérêt on va dire de The Crew. Mais bah, si la vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment la liker, vous abonner si j'ai fait, activer la cloche pour le plus qu'une des prochaines vidéos. C'est quand même sympa hein, ce petit monument, j'avais jamais été trop dessus alors qu'il est là depuis longtemps. C'est sympa. Putain, il y a même une rampe ici. Ah ouais, c'est bien fait. Bref, allez, je vous dis à la prochaine et bye tout le monde.